De retour, donc on a passé notre nuit, il fait nuit du coup, encore un peu. Nous avons récupéré un nouveau rat qui est informe en fait, hein, qui est très chelou. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire, honnêtement, je crois qu'on va le virer au prochain camp. Pour ça, en plus, il est que niveau 1, donc ouais. Je crois que ça sert un peu à rien. Enfin, comme j'en avais parlé. Je crois que la meilleure chose en fait pour la reproduction des rats, c'est d'en avoir plein en fait et de les utiliser, de les bah s'ils crèvent, ils crèvent quoi. En fait, c'est pas de les garder, je pense. En tout cas, voilà, on va continuer notre petite aventure. Donc, on avait vu que lui il voulait qu'on aille au pont instable pour faire une embuscade. Des gens qui se battent là, apparemment ils se battent plus, quoique. Est-ce qu'on peut venir? Ah, c'est les deux factions. Donc nous on est du côté bleu, je crois. Non, t'as les. Voilà. Armée du lieutenant Lénard ou Véralis? Vernalis, pardon. On travaille pour lui? Mais on a déjà tué son colonel, un de ses lieutenants. Je crois qu'on s'en fout, honnêtement. 3, 6, 7, 8, 10. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça a changé? Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est le même. On va un peu combattre les Vernalis. On va voir un peu ce que ça fait. Enfin, peut-être qu'on va récupérer leurs armes et tout ça. C'est surtout ça que je pense. Donc, on va voir. On a beaucoup de personnes à passer. Rage. Pourquoi t'as la rage? Ah, parce qu'il fait nuit. Je crois. Non? Ah non, c'est parce qu'il y en a plusieurs de trucs, je crois. Survie de l'espèce, brutalité. Je sais pas pourquoi il a la rage. Je crois que c'est parce qu'il y a plusieurs rats, un truc comme ça. Bon, en tout cas, on va se concentrer parce qu'on a du monde. Donc on a une dizaine de personnes. Ouh, c'est quoi ça? Formation militaire, armée du seigneur Vernalis. Chaque fois qu'une unité termine son tour à côté d'un allié, elle gagne déviation. Donc là, on a deux archers. Deux archers, on pourrait les maintenir ici. On pourrait les maintenir là. Aegram. Alors tu le maintiens là, le prochain tour, il est mort. Après, il faudrait pouvoir le pousser, lui, mais on va pas pouvoir le faire. Par contre, Septel, tu vas pas te mettre près de la foudre. Alors, ça, c'est quoi? Ouais, c'est eux qu'on combat depuis le début. Sapeur et tout ça. Bon, on s'en fout. Tiens, tu sais quoi? T'as qu'à aider notre copine. Attaquer. 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 Là, on va bloquer ça. On va peut-être faire du passage. Alors, t'as Lucia qui peut s'occuper de lui. Alors, mener avec des tanks. Là, on en a quoi? On a 3. Porte. Lim. 8. Taurus. Rin. Rin Taurus. Kairi. Kairi. Ok.
pense qu'on est bon. On a combien de... Oh, ok, on est quasiment fou. Je me demande si on peut toucher les trois. Non, ça m'étonne. Allô? Ça l'a pas provoqué? Apparemment, ça l'a pas provoqué. Merde, du coup, ça me casse tout mon truc en fait. Ça me casse tout mon stratagème. C'est bien parce que ça devient vraiment des copains. Quoi. À 12, très bien. Toi qui joues. Faire comme ça. Ah merde. Je voulais bloquer lui en fait pour qu'il reste dans le truc de fer. L'ambassadeur, il en a des bordels. Il est engagé avec un allié, cet allié gagne riposte. L'unité ne peut pas être engagé. À la fin de son tour, soigne tous les alliés adjacents de 20% de leur santé maximum. Waouh. Assistance médicale. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, je peux pas faire grand chose. Je sais pas si des gens comme ça, si on les récupère, est-ce que ça peut être utile? Oh, parfait, merci. Par contre, faudrait le debuff, comme ça on fait plus de, il fait plus de dégâts contre lui. On pourra l'empoisonner, honnêtement. Au prochain tour. T'attraper. Alors, tata. Corinne. Que j'aime pas ce... Ce combat, on est mal mis en plus. On est juste mal mis en fait. Alors tout autour c'est mal fait. Tiens, t'as qu'à courir je sais pas où.
Merde. Je me demande si on gagne protection genre du loup et qu'on fait ça tout en partant en fait. Est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on va mettre affaiblissement? C'est une question ça. Très bien. Ah putain, je peux pas y aller. Je peux aller nulle part, putain. Trop de monde. Vraiment trop de monde. Rien faire en dégâts, c'est ouf. Se mettre là. On charge des points en fait, hein, honnêtement. On charge de la bravoure pour le moment, rien de très très fun. Déviation. Je peux pas manger là parce que sinon je vais le mettre en combat. Toi aussi t'es pas Après, en théorie, ça, tous les animaux qui sont autour peuvent faire des dégâts, je crois. Ah, il a enlevé le feu, du coup, il a pas donné feu. Ok, ça marche. Donc, avoir une bande, en fait, de d'animaux et tout autour de chaque cible en fait et de leur dire d'attaquer en fait c'est vachement sympa. Ça c'est notre petit rat ou notre gros? Ça c'est un haut niveau je crois.
Oh, c'est trop. Ah, ça c'est niveau 6. Dans les dégâts quoi. Zéro sur 200, on va voir combien d'expérience il récupère. On peut le jouer du coup. Voilà. On a pas fait grand chose. Hop. Nickel. Ouais, l'ambassadeur, parce qu'elle a ça, du coup. On peut pas l'attraper, parce qu'on peut pas l'engager. Donc, ouais, on peut pas. Parce que là, là, ça serait... Ça vaudrait le coup, en fait, d'en avoir. Même si elle a pas d'autres habilités... Je veux pas dire, mais ça serait pas mal. C'est con parce qu'elle va mettre 3 heures à le tuer en fait. C'est super ciblage. C'est quoi exactement? Parce que c'est nul hein. Plus zone, effectuer une attaque d'opportunité contre le premier ennemi qui traverse la zone. D'accord, c'est juste tu bloques une zone et tu tires une fois. Donc c'est... Je vois pas... Zéro intérêt. Wow. Allez, mec, vous passez un bon moment. Est-ce que vous passez un bon moment? Non. C'est pareil. Ah, ok, bien. D'accord, bah il nous a montré que... Ça peut être une stratégie.
Donc du coup, en fait, on les fait bouger avec des lanciers et des archers. On les fait bouger dans le cône. Et là, ça peut être intéressant. D'accord. Okay. Te mets pas dans le dos. Je veux faire ça. Ouais, non, là, ça a l'air pas mal. En compte ou pas? Non, c'est pas en compte. Ok. Alors. Waouh. Les bouffer. Un truc qu'il faudrait. Il pourrait faire aussi des petites animations pour les animaux. Ça pourrait être super violent. C'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. J'avais complètement oublié. Il a du mal là le jeu, il lag un peu trop. Et voilà, ça c'est la stratégie. Merci le cheval. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout même, j'ai envie de dire. Alors toi t'es quoi? Toi tu... Will, t'es plutôt DPS. Et voir ton mouvement. Ton mouvement est un peu pourrave par contre. Constitution, ça va. Bon, vu que tu t'es déjà à 1 sur la force. On va continuer. Alors attends, je vais voir un peu les armures. Donc on a un arme, cette armure a peu de défauts en dehors de son poids. Donc ça c'est une armure lourde avec garde 21. La défense, on va voir. Ah bah c'est mieux, 46, ça c'est 55. Ah, faut la garder de côté. Elle est presque. Il a pris combien de... Ouais, il a pris 66 points d'expérience le rat. Le rat on va le jeter. Hein. Au prochain camp on le jette, hein. Je m'en fous. Bon, elle peut pas encore la mettre. Après, c'est peu de différence. C'est vraiment très très peu de différence. Donc bon, j'ai envie de dire, autant la vendre. Tu sais, le temps qu'elle passe niveau 5, on a le temps, quoi. Pas chiant, ça, on vend aussi. Là, on a un bouclier, c'est 16-14. Ben, voilà. Putain, c'est aussi niveau 5. Ah, vous faites chier là. Par contre on perd la protection. Ouais mais toi ouais voilà, toi t'as pas d'habilité quoi. Non on peut pas t'enlever la protection toi. C'est déjà que t'as rien. Non mais ce bouclier il faut le garder de côté, mais ça encore une fois, oui, non, le temps qu'elle soit niveau 5. Ça c'est quoi? C'est intermédiaire avec de l'armure et de la garde. Je crois qu'en intermédiaire on a besoin de rien.
Ah oui, fais voir du coup, toi tu pourrais prendre ça. On perd quoi? On perd la force. On perd la force parce qu'il n'y a pas de pierre dedans en fait. On perd 4 de force quand même. Pareil. Non, ça va. Je pense pas qu'on va le faire. Alors. Vu que tu veux faire du mouvement, à la limite, on peut faire un plan de carrière sur le mouvement. Je dirais pas non à ça, mais... Perdre la force, c'est combien la force? Genre 13 de dégâts, si je mets ça. On passe à 16 de dégâts. Parce qu'il fait pas extrêmement mal, Witt. Déjà de base. Et là, toi, tu peux prendre ton niveau. Ah, mais je perds en... Je gagne en force. Renfort du cerf, quoi, ça fait chier. Là, on gagne quand même beaucoup d'armure. C'est le renfort du cerf qui fait un peu chier de pas le mettre, de pas l'avoir, de le perdre en fait. Mais c'est bien de les avoir combattus, on a des nouveaux types d'armure en fait. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Bon, on va pas les combattre. On répare notre équipement, il en a quoi. Bon, on va aller au pont. Ouais, il faut qu'on répare notre équipement. Alors, faut voir. Un truc qu'on peut faire, ce serait... Et le reste. Cette telle, tu coûtes cher. Oui, on voulait pas tester les huiles là. Un peu voir comment ça fonctionnait. C'est juste toujours pas. Chaque fois qu'une compétence fait des dégâts, 30% de chance d'augmenter la force. Pendant 3 tours. Alors, voulez-vous appliquer ce sur l'arme Lucilla? Ouais. L'huile de force. D'accord. Donc on a mis une huile de force, et comme ça, si je veux en mettre une autre chaque fois que les compétences infligent des dégâts, à 30% de chance d'appliquer un poison. Voulez-vous appliquer cet effet sur la Lucilla, l'effet actuel sera perdu. Mon dieu, t'es sérieux, ça veut dire que tu peux... Tu peux mettre des huiles et ça reste... Oh mon dieu! Oh, mais la possibilité de build, elle est énorme. Ça, c'est des petits trucs en fait. Des choses comme ça où c'est qu'on peut rajouter et faire des tellement de différents builds. Donc là, par exemple, bon, lui il prend un buff d'attaque. Voilà, c'est pas très dur. 30% de chance d'augmenter la force. Voilà, c'est bien. C'est surtout que bon, il peut toucher plusieurs cibles et tout. Là, sur Taurus, lui, il peut pas mettre poison, naturellement. Mais maintenant, il peut. Maintenant, il a une chance. Donc, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Ça pourrait mettre poison. En plus, si c'est 30% sur chaque coup, ça augmente nos chances. Et après, on fait oblitération. Et du coup...
Et du coup, critique obligatoire. Oh là là, ah c'est fou ce jeu. Ah ça c'est du bon RPG stratégie en combat ça. Ça je kiffe. Ça c'est bon. Vous vous déplacez drôlement vite, laissez-moi reprendre mon souffle. Bon, allez voir, nous sommes là parce que, oui, l'embuscade. Nous allons détruire ce pont. La caravane sera forcée de s'arrêter et cette fois vous pouvez l'attaquer sans vous méprendre. Ok. Dès que vous laissez ce pied, je vais prier pour que Jéru vous en donne la force. C'est sérieux? Ouais, on est obligé, hein. Ah oui, mais c'est pas avec des explosifs, évidemment. Moi, je pensais. Du C4. Non. J'ai loupé le dernier. Récupère un peu de grès. Putain, mais je me loupe, oh. C'est chaud. Beau travail, mercenaire. Allez vous poster devant le pont, ils peuvent arriver d'un instant à l'autre. Oh putain, attends. Attends. Plein le gré. Après c'est pas très grave, mais est-ce que si après si on doit bouger et tout ça, je préfère quand même être léger moi. Vas-y décrocher. On en a besoin de toute façon décrocher. Combien de torches? 4. Les torches, c'est plus lourd. Désolé, hein, je cherche un moyen de baisser mon poids, mais là j'ai un petit problème. Tout le monde a des sacoches. Peut mettre des sacoches sur les humains? Ça fait de l'argent. Après, on a du gras. Mais est-ce qu'on peut... Je vais pas faire comme ça, quand même. Let's go. Du coup, on les attaque. Du coup, on les attaque. Pourquoi est-ce pourrait-il briser? Et qui êtes-vous? Et où est notre patrouille? Silice, le commandant. Ce groupe transporte une grande quantité de nourriture en direction du château de Laerte. J'espère qu'on pourra la récupérer. Enfin, oui et non, parce qu'on est plein.
Sili, c'est là. Les attaques de cette unité font également perdre qu'à 5%. Okay. Alors, ils sont 9, 3. 2, 3. 3, ok. Taurus. Kéril. Relou à attraper en fait. Bah ça, ça me paraît potable. De toute façon on est en surnombre et tout, ça va. Attraper lui comme ça c'est fait. Je vois pas pourquoi j'ai fait affaiblissement sur lui. Sur un putain de... archer. Toucher les deux là. Ouais. Oh poison 1, ça marche en plus ce truc. On va d'abord se faire lui parce qu'il a la grosse épée. Poison. Tu le récupères. Très bien. Excusez-moi. Alors. Faire la blague. Ah, attends, on va peut-être lui faire la blague après. On va d'abord le récupérer. Voilà. C'est marrant, ils utilisent leur habilité pour se désengager. Enfin, après, c'est une stratégie comme une autre. D'armure. Adieu. Oh. Bruit des os et tout. Galvanisation, très bien. Voilà, c'est bon. Que la tuerie commence. Enfin, elle avait déjà bien commencé.
Bah, Ilgram, tu vas nous choper l'archer. Bonne chance. Waouh. Qui joue. C'est bien, tu t'es avancé. Bien. Pack. Ah, quoique, attends. Je peux peut-être faire un double. Ça va être chaud. Pourquoi tu fais aussi mal maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais non, galvanisation et tout ça. Je peux utiliser lui pour faire déclencher en fait le truc. C'est rien de faire. Ça va me faire plus chier qu'autre chose, je crois. Déjà qu'elle va lui foutre le feu. Ça va, on va la tuer avec l'idée. Hop là. Avec Méné, j'ai dit l'aider, Méné. J'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Hop, nickel. Ça t'annule ou pas, sûrement? Ah non, non, ça annule pas, c'est un ciblage. Les ciblages peuvent pas être annulés, sauf si on fait bouger. On fait bouger la cible. Honnêtement. Ouais, voilà. Ça fait un peu mal quand même pour un tir d'arc. 23, c'est pas nul, j'ai envie de dire.
c'est pas nul. Mais voilà, c'est un ours quoi. Oh, vous imaginez si on avait combattu. Il y avait, je crois que c'était 5 ours. Niveau 8. Vous imaginez les ours, la vie qu'ils doivent avoir. Les niveaux 8. Le nôtre, il a déjà. Il est quoi? Il est 6? Il a 500 HP. Même pas imaginer. Ah, il est où mon cheval? Ah, mais on l'a déjà joué. Ouais, du coup, ouais, je t'ai pas engagé. Bah, le râteau, bah, t'as engagé. C'est le râteau niveau 1. Enfin, après, j'ai envie de dire de. C'est que de. On peut le garder et puis l'utiliser. Hein, parce qu'on va devoir combattre la garde à un moment. Vous savez, la première mission là, que je voulais faire là, depuis longtemps. la mission d'elle de. Comment s'appelle Septel. C'est toujours bien d'avoir de. Des gens. Même si je suis un peu nul, hein. Mais ouais, je suis fan des râteaux là. Ah merde, c'est pas fini. Je suis très fan des râteaux en fait. Après, c'est compliqué d'en avoir des râteaux. On les a... Oui, dans le temple. Ouais, c'est pas. Ça court pas les rues quoi. Alors, tu vois. C'est juste une tarche d'entraînement. Maintenant, venez. Alors, 10 et 13. Hop. Et encore plein. Une fois un deuxième cheval et vite. Donc on va détruire des torches. En jeter. Coûte combien des torches? 11, ça c'est pas cher. Alors, c'est 0,3. Très bien. C'est quoi notre récompense?
C'est sérieux, t'appelles ça beaucoup? L'abbé vous observe avec méfiance. C'est quoi ça? Du vin d'Edoran. Du vinaigre qui prétend être du vin. Ah, d'accord. Alors, loué soit Saint Eleanor, loué soit notre guide Jéru. Loué soit le grand œil, nous avons réussi. Merci, c'est formidable, ce jour est béni. Eleanor ne sera plus aventurée dans cette partie de la région, je vais faire. Quoi, Lombé, que sont les éclairs de l'œil qui ont frappé sa caravane? Oui, tous les soldats auront peur, je vais faire ça aussitôt rentrer. D'ailleurs, sans vouloir abuser de votre pitié, voulez-vous bien me raccompagner à l'abbaye? Je vous mettrai votre récompense dès qu'on y arrivera. Je vais être honnête, on n'a pas vraiment besoin, c'est à 10 moutons, enfin, 10 côtes de moutons, on s'en fout un peu honnêtement. Bon après le vin vinaigre là, on connaît pas, et on n'en a pas vu, on sait pas où en acheter. Parce que j'ai envie de dire, si on avait quelques problèmes, et puis en plus on est trop lourd là, on va sans... Ouais non, on va être sympa. Dernière affaire, combien de soldats traînent encore peut-être dans les paras, ça marche. Ouais. Non mais on est trop lourd en plus. Il faut rentrer à Corsia. Ouais. Genre vite. Attends, je peux peut-être passer par là. Oh, on va devoir faire une escale quoi. Inspecteur. On a pas déjà inspecté lui? Ah bah oui si c'est le truc tué là. C'est... Camper maintenant. On répare nos armures ou pas? J'ai peur qu'on se fasse prendre en embuscade ou un truc comme ça. Mais par contre, il va en falloir des trucs pour réparer. On en a 5 et on a déjà utilisé celle qu'il faut blanchir. On a 16 de réserve. Bon, par contre, comme je disais, le rat... ouais, le rat taupe. Le rat cestiféré. On va le garder, je pense. On va le garder. Comme j'ai dit, chaque plan est intéressant. Ah tiens! What? Utiliser. Dégâts des attaques opportunités augmenté de 10%. Ah, oh, on peut avoir une stratégie pour nous? Augmente les dommages apportés par supporter de 10%. Augmente les malus provoqués par encercler 10%. Dégâts des attaques de portée augmentés de 10%. Ah, on va prendre opportuniste. Mais c'est trop bien, je... Alors il devrait faire mon meilleur système que ça. Genre que ça reste... Pas que ça clignote, parce que là ça clignote, c'est moche. Alors que ça reste entouré, quoi, encadré. Et que ça nous le dise, genre quand on se met comme ça, il y a écrit opportuniste. Voir le reste. Déplacer. Alors utiliser opportuniste, ok. Bricolage. Je regarde si j'ai pas loupé des trucs, on sait jamais. Déplacer. Là on a toujours pas de carcasse. Ça c'est quoi? C'est des carcasses? Du cuir à partir de carcasses animales pendant le repos. Ah, en plus, oui, ça aussi, parce que maintenant, on va devoir regarder les carcasses. Donc, tous les sangliers, tout ça, là, ça donne pas mal de carcasses quand on les tue, ou même les loups. Donc, il nous faut vraiment un deuxième cheval, en fait. Enfin, un troisième cheval pour porter. Un deuxième cheval pour porter. Enfin, l'autre, il porte aussi, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire.
Attends, depuis qu'on a mis ça, on s'est pas reposé? Je suis étonné. Peut-être. Donc ouais, il nous faut des carcasses et tout pour faire du cuir. Alors. Chier. J'aime bien notre petit camp. Ok. J'ai cru que ça fonctionnait pas. Encore heureux qu'on n'a plus le prisonnier. C'est son jour de chance au prisonnier. Cette aventure était exaltante. Je ne serais presque que commandant d'une armée. Vous méritez votre solde et ma bénédiction. Je vais faire une petite pause. J'espère que j'aurai bien coupé. Alors. accepter. Donc 100. Ouais, on a bien fait. 100. Renommer tout ça. 25, 25. Ok. Vous avez aidé l'abbé. Recevoir l'aide de compagnons tels que vous et le miracle dont cette abbaye avait besoin. Je vais me dépêcher d'écrire au seigneur Vernalis pour lui dire à quel point vous nous avez aidés. Ça marche. Ah ouais, là il vous bénisse. Ouais, mon cul. Ah oui, des fleurs. J'ai pas les fleurs. J'ai pas de fleurs, faudrait partir dans la neige et tout ça. Bon, en tout cas, on part pour Corsia. Ouh, ça fait du bien de rentrer là. Alors. Hop. On a du bois moins cher. On a du porc. Alors, on avait dit que on allait tout vendre parce que c'est trop chiant. C'est trop chiant en fait d'attendre. Puis le poids quoi, le poids. Alors. Ça, on avait dit qu'on pouvait peut-être la garder l'épée pour le moment. C'est la chose la plus intéressante. Ok. J'ai envie de prendre le lait, parce que le lait, je sais pas... Enfin, le lait, c'est de l'ingrédient pour faire tout et n'importe quoi, donc j'ai envie de dire. Donc on va peut-être en avoir besoin. 50, 60... Hop. Ce qu'on va voler, c'est les... C'est le forgeron, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude... Ah putain, il y en a... Ah merde. Si! Si, 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 si. Il n'y en a que 15 par contre. Hop là. Préparer. Hein! Attends. C'est bizarre. Pourquoi on répare en deux fois? C'est ça que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on répare en deux fois? C'est pas très grave. Mais... Alors c'est quoi qui pèse aussi lourd en fait? C'est ça? C'est le ragoût de porc. En fait c'est mon erreur en fait. C'est d'avoir crafté le ragoût de porc. Il faut transporter les ingrédients et pas tout crafter en fait. J'ai une mauvaise idée de faire ça. C'est pour ça. Parce que, alors, attends, ragoût de porc c'est
Ragoût de porc, c'est un haricot. Un haricot, alors genre un haricot. Alors attends, je vais mettre ça dans l'ordre. La viande, la nourriture, c'est ouf. Un haricot, c'est un. Quoi? C'est sérieux? Ouais, c'est des haricots, c'est un. Après, c'est deux de sel. De sel, ça doit poser rien du tout, c'est 0,3. C'est 0,6, ça fait 1,06. Et après, c'est deux tranches de porc. Ah, mais j'en ai plus, par contre. Et là, c'est 1, 8 pour 1. C'est bête parce qu'ils mettent pas le poids total en fait. Ils mettent juste combien ça coûte l'un. Combien ça pèse l'un, pardon. Ouais. Bon, au final, si, hein, je crois que ça coûte. C'est moins lourd hein, de les crafter. C'est pour ça que je crafte les choses en fait. Non, non. Non, non, c'est juste que... Non, on a beaucoup de choses, quoi. Après, on a des objets de... De vente. Des objets. Des objets pour... juste pour vendre. C'est pas lourd, en fait. Voilà. Et ben voilà. Arc long. Avec un tir normal. Maintenant qu'on a le cuir, on n'a plus le métal. Lol. Lol lol lol. Je vais voir l'argent. Alors, invasion de rage, pas envie de la faire, pas maintenant. Apporter message informateur à Stormcap. Sérieux? Ok. Pute! Pardon. Stormcap, je vais y retourner à Stormcap en fait. Ouais, c'est sur la route. Dans ma tête, c'est... Avec de la chance, c'est sur la route. C'est ça que j'avais en tête. Ah bah oui, bah c'est là, le vin. Ah, je suis teubé. Je suis complètement con. C'est bien. Je suis complètement con. C'est bien. Voilà. Aïe 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 aïe. Ouais, alchimie. Alors maintenant, les huiles, en fait, ça devient intéressant. J'avais une compétence, un peu de dégâts, 30% chance d'augmenter la dex. Et voler, c'est dangereux à voler ou pas ça? Non, on peut en voler une de temps en temps en fait. Parce que j'ai pas vraiment envie de donner mes cerveaux. Tes cerveaux, ça, bah, c'est 50 quoi, non? Donc, on a toujours des remèdes. On en a utilisé pas mal. Ouais, 13. Après, l'autre, elle veut des plantes. Et les plantes, c'est pour les remèdes, si je dis pas de bêtises. Les iris des neiges, ouais. Donc, il en faut deux de plus. On peut faire une essence de vierge. Flasque de poison. Une baume infectieuse. Pâte blanchâtre. Ça fait quoi ça, du baume infectieux? On l'a jamais fait. Cette pâte blanchâtre ressemble à de la graisse de canard.
Moi, je dis go. Ça, il faudra. C'est pour ça que je veux faire les rats, mais quand on sera au niveau. Enfin, un peu plus que la normale pour ce type de niveau. Alors, dégâts infligés aux ennemis empoisonnés, augmentés. Ah oui, c'est ça. Parce que du coup, je veux pouvoir détruire en fait beaucoup de choses. Voilà. Je veux pouvoir détruire les choses en fait et récupérer des objets. Volonté. On va mettre le chloroforme. Ah putain, je m'en. Ah tiens, on a du sel, on peut préparer les choses. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On n'a plus de viande en fait sur nous. Je suis sûr que j'ai utilisé elle sans faire exprès. Bah la 9 pour l'expert. Non, non. Non, non, on a utilisé Orline. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on peut partir. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir à Storm Cap là. Pour donner les épices. Voir si c'est si ça fonctionne en fait, le fait d'avoir donné des épices. Donc on va refaire Storm Cap. La loi. On va l'esquiver. Est-ce qu'ils peuvent nous vendre des trucs? Non, merci. Est-ce que... Ouais. Juste aller voir ce qu'il y a là. Je reste à côté de l'eau hein, pour des poissons. Oh, yes. Niveau 4, ça va. C'est pas du 6. Mais bon, après le 6, c'est pas vraiment... pas vraiment nécessaire. Ah! Opportuniste, dégâts des attaques d'opportunité augmentent de 10%. Ça, c'est cool ça. Ils sont tous au centre. Ah merde, on a des grands groupes là aussi. Okay. Donc, on va bloquer. On va les laisser se démerder là. On va faire ça. Voilà, nickel. Honnêtement, tout le monde est là. Donc. Toi, par contre, tu bouges pas.
Il va au ralenti. J'aurais dû les faire affaiblissement pour éviter de prendre plus de dégâts que nécessaire. Très bien. On peut leur foutre tous le feu. Histoire de rire. On en prend quoi? 3? 3, ça me paraît honnête. Taurus ici. 3, ça me paraît honnête, je pense. Parce qu'après, faut pas exagérer non plus, parce que sinon, ils vont. C'est chiant, pas maintenant. Ah, il n'est pas engagé, je n'ai pas fait attention. Très très fan de la potion là, qu'elle balance et ça fout le feu. Faire le bruitage et tout ça. Voilà, nickel. J'aurais même pas dû bouger le hacker. On va prendre celui-là d'hacker, sinon... Sinon, on prendra autre chose. Ah oui, c'est ça, force du nombre. Mmh.
fait. Commence à avoir trop de gens. Alors. Manqué. Ça nous en fait 3. Ça fait poison avant les dégâts. Ouais, putain, ça marche. Ça veut dire que chaque coup a 30% de mètre de poison. Ouais, les coups, ils sont bien dissociés. Ça, c'est vraiment cool. Les coups sont bien dissociés. Comme j'ai dit, les animations, tout ça, elles se coupent. Au final, elles se couperaient pas, les animations, en fait. Ça pète. Ça pète, tout simplement, ça pète. Ah merde, mais tous à côté. Bien. Bien les animaux. Hein. Alors, y a vraiment zéro moyen de passer genre le tour. On peut pas cliquer dessus, rien. Et voilà. Nickel. Sanglier niveau 4 x 3. Ah, il est végétarien celui-là, tu vois. Alors, sanglier d'élevage. C'est con qu'il soit pas niveau 5 parce que oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait de la facilité avec le niveau 6 là. On pouvait directement mettre sanglier de trait.
Mais bon, c'est pas grave, on a des trucs, on a des pochettes. Pochettes qui sont quelque part dans l'inventaire. Je trouve pas. On n'a pas de pochette supplémentaire? T'es sérieux là? Sans déconner. T'es sérieux? J'ai pas de... Non, je les ai mis sur les râteaux et tout ça. Faire attention, on est dans la nuit aussi. Non. Pas bien. Ça que je... Ok. C'est trop bien de sentir que... Que notre groupe en fait devient fort avec les stratégies et tout. Attends, parce que je sais que l'ours on bénéficie pas du plus 10 avec l'ours, on a plus 7. Alors, bah tiens, on va tester. Alors, 312-7. Non, non, faut les crafter, hein. Faut les crafter, hein. Y a pas à dire, hein. Nécessite carcasse 3 pour 2 pots. Okay. Donc 6 carcasses. Donc faut toujours quelqu'un qui travaille sur ça du coup. Ça va, ça fait un truc convivial. Moi j'aime bien les trucs conviviaux comme ça. Genre tant que les gens s'entendent bien. Mais ouais, ils sont côte à côte et tout. Je trouve le camp vraiment cool. Chacun fait son truc et tout. Ils s'entendent bien. Ça me fait plaisir. Hein. J'adore ce côté-là de... On fait les choses et tout, on craft. Oula. Merci. Les autres sangliers qu'on avait fait niveau 6, je crois qu'ils étaient par là. Ah merde, je les ai loupés, putain. Ils peuvent être dans la montagne. Il y a deux machins végétariens. Ah oh, putain, faut chier les machins.
Ah, ça en fait du ragoût de porc, du coup. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure des choses d'en mettre 5. Donc, tu vas me dire qu'on va avoir plus 5. Par contre, on va faire du cuir et tout, ça c'est bien. Lame de cuir, de la viande séchée. Il y a 13. Non, non, on n'a pas plus. Pas exagéré non plus. Qu'est-ce qu'il y a, il y a trop de ragoûts, c'est ça? Je me suis fait mercenaire pour voir du pays et tuer des bandits, pas pour casser des cailloux et faire la cuisine. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette compagnie? T'es sérieuse? Tu sais avoir un avenir aussi prometteur. Célébrer sa réussite avec le groupe. Faire une mention, c'est un bon groupe. Je vais voir pêcheur. Fouf, vache. Ouais, se réjouir. Je pense que ce genre de choses, pour les métiers, ça va commencer à devenir extrêmement demandant. Il faut 3000 et quelques. Compétence égorgée. Dégâts la cible et gagne 3 rages. Okay. Poignard d'Arak, c'est pas mal ça. Pas mal si on veut faire un mec qui tue. On gagne moins à les attaquer qu'à voler quoi. Il y a même un poney. Est-ce que le poney on peut le capturer? Le poney des marchands. Ce serait marrant, tiens. Alors, du cidre. On va se faire les mecs là. Et après on rentre. Ils sont juste là en plus. On n'est jamais allé dans cette... Non, on n'est jamais allé dans cette... Vraiment avoir plein de trucs. Oh, niveau 6. Oula. C'est vrai qu'on est bien... On est bien reposé et tout ça. Hein. Mercenaires d'élite, fraternité. Les unités ont rivalité quand elles sont engagées. Dégâts subis, causés par l'adversaire réduits. Ok. Quatre. Oh, ok, trois là. Alors, inflige à la cible, les dégâts sont augmentés de 5% contre les unités ayant 35% ou moins de leur vie. Oeil de lynx, de chaque round applique vulnérabilité si l'ennemi ayant moins de santé restante. Putain. Je fais là. Eh ben, ok, on va devoir faire attention là. On va avoir besoin de l'ours pour tanker et faire des dégâts. Parce que je veux qu'on défonce le chef vite. Il nous faut 3 tunts en fait. Est-ce que ça engage? Ouais, ça repousse pas, ça marche. Ok, là on a une belle brochette. On peut peut-être toucher plusieurs cibles. Alors.
Kerik. Kerik. Là il nous faut des tanks aussi. On a un Taurus. Là, il faut bloquer le chef en fait, donc je suis obligé de mettre des gens là. Orline avec. Il est ouf, il est là. Oui, c'est ok. Ok, là on peut faire un, un bon truc. Là, ça m'a l'air un peu. Un peu faiblard. Il faudrait peut-être 8 en fait. 8, 8, 8. Will peut-être. Peut-être Will plutôt. Pour le saignement. Parti. Alors toi, tu vas vraiment rester loin de tout parce que... Là, on va devoir bien jouer. Alors on a 4 joueurs. Yes, let's go. Nickel. Donc là, ils sont tous des debuffs, donc il va faire plus mal. C'est pour ça, en fait, que je voulais faire passer Wit d'abord. Là, on est extrême, en fait. Là, on est dans la stratégie extrême à 4 coups, parce que là, c'est compliqué. Là. Alors, maintenant... Hmm.
Maintenant, on déclenche tout ça. On aurait pu même faire un autre round avec quelqu'un d'autre, mais... Let's go. Voilà, pas mal. Faut attraper elle. Mec, ça? C'était une femme. Nickel. Il y a le flèche aussi, on va... mais on a les loups pour ça, donc ça va. On va essayer de faire un carton avec Will. Will pousse ? Ouais merde, Will pousse. Après je peux le rattraper. Hein. Ça va. J'aime bien parce que dans un sens, moi je le vois comme ça, si on devait faire une sorte de comment dire, de dérouler d'un type de film. Genre vous avez les loups qui attrapent les... Genre les bras, vous savez, des gens et tout, pour les distraire et tout machin. C'est... Ouais non, ça va bien. Il y a ces trois là, qu'il faut gérer. Lui on peut le tuer je pense. Je sais pas comment mais... Attends, je joue qui là? Ok. On peut... Ça. On utilise le cochon parce que comme ça, c'est fait. On a failli ne pas le tuer. Ok, très bien. Qui peut soigner dans l'équipe? Personne. Ouais, il n'y a personne qui peut soigner. Faire gaffe. Bon, maintenant on s'occupe d'eux. Bon, on n'a pas de poison. Parce que Orlin, elle est là-bas. Là, c'est la seule chose que j'ai mal joué. Parce qu'on aurait pu empoisonner et Taurus, il aurait pu faire... il aurait pu faire un truc intéressant. Alors, peut-être qu'il va empoisonner lui-même. On va voir.
Yes. Nickel. Nickel, nickel. Alors, est-ce qu'on veut le provoquer par contre? Parce que je sais pas si on aura assez de déplacement pour les autres. Quoi que si. Si, si, si. Ça va être bon. Penses-tu pouvoir tuer? Yes. Nickel. Là c'est bien parce que c'est un peu plus haut niveau du coup. Un peu plus jouer stratégique et faire attention. Prochain, c'est de l'archer. Là, c'est bon, on est sur la fin. Parfait, parfait. J'aime bien ce qu'ils font comme s'ils avaient mal au coup, au poing en fait, quand ils tapent. Je voudrais bien récupérer un de leurs arcs, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique. Toi, t'es pas en joue par contre. Ouais, toi, tu vas être un problème. Si celle-ci n'a plus d'armure, les dégâts sont augmentés de 50%. Décapitation, putain. Ça va, maintenant on les finit. Elle met du poison. Oh là là, oh la vache, oh mon dieu. Putain, Taurus, il est devenu tellement bon avec... avec sa nouvelle hache, là. On commence à tuer tout le monde. Vas-y, un bon coup de massue dans la tête. Oh yes!
C'est nickel ça. Nickel, nickel, nickel. Un chêne, 51%. Là, ça nous sert à rien. Yeah, le rat qu'il mange. Faudrait trop une animation où le rat le bouffe et tout. C'est trop bien. Ça serait trop bien. Pas mal. Tiens, tu veux te faire bouffer par un râteau? Oh la vache. Fun ce jeu. Ah, on joue un peu plus les animaux. Enfin, on les... Comment dire? Ouais, on les utilise au maximum, quoi. On va être plein encore une fois. Ah non. Ah, tiens, le rat machin, là, il est apparu. Enfin, il est réapparu. Qu'est-ce que je raconte? Il a pris un niveau. Je sais pas quoi. On fait voir un peu... C'est de l'intermédiaire. Ouh, celle-là, elle est bien. Armure et garde. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une épée, non? Non, posté de l'argent et tout ça. Avec deux slots. C'est une armure intermédiaire. Armure et garde. Mais je crois pas qu'on ait besoin d'armure et garde maintenant. Allez, à la limite, celui-là, comme ça, il perd pas le mouvement. Et on peut lui mettre deux augmentations, là. Ça peut être pas mal. Du coup, faudrait garder ça là. Oh, elle est bientôt niveau 5. Du coup, faudrait garder ça là. Après, il y a du critique de tous les côtés, en fait. Donc, j'ai pas envie de... Enfin, pour ce qui est de l'intermédiaire, il y a toujours deux ou trois de critiques. Et de la force. Là, on perd la force. On gagne 6 d'armure. Taurus. Non, mais lui, c'est DPS. Là, il y a transport 5. On peut pas se permettre non plus. Là, il y a critique 2. Bon, après, elle fait pas très mal. Donc, à la limite, on peut lui mettre une armure qui... Transport. Ouais, on peut peut-être lui mettre ça. Yeah, oui, c'est ça là, on pourrait lui augmenter. Donc du coup, il perd plus le mouvement. Et on pourrait lui mettre les augmentations là, du cerf. Bon, là, on a quoi? Armure 20. Crit 2. Moi, j'aimerais bien lui changer l'armure, mais là, le transport, honnêtement, pour le moment, hein, pas vraiment changer grand-chose. Armure 23. Non, non, là, on est bien. Là. Ça, on a été mis à jour. Vous avez vu que les titres Maître Assassin. Ah, ils font même une différence entre les différents types de missions. Bon, on va pas faire la montagne, comme j'ai dit, on rentre à Storm 4.
Stromcap, on a des choses à faire. On va laisser passer la garde. La Stromcap, on va acheter un cheval. Bon, pas Stromcap même, mais pas loin. On va acheter un cheval et on va rentrer dans la ville et donner des épices. Il y a toute une grande montagne à faire. J'ai un peu peur après de combattre la nuit avec les esprits là. Il faut les farmer à un moment ou à un autre. Enfin les farmer. On va en avoir besoin. S'ils sont rares déjà, pour tomber dessus c'est un peu relou. Mais bon, après si on veut juste les ressources, et pas vraiment l'expérience ou je sais pas, des objets rares, j'en sais rien ce qu'ils donnent. On pourra faire les bas niveaux en fait. Dague égorgée me tente. Mais tu vas me dire que le rat, il trouve toujours, même quand on part avec des... Oh merde. Attends. De toute façon, il faut qu'on parte. Vas-y, viens, amenez-vous. Je vous tiens, cela vous amuse d'empoisonner les puits? Vous allez le regretter. Cela vous amuse d'empoisonner les puits. C'est quoi cette réplique? Cela vous amuse de tuer des gens? Oh, voyons. 1, 2, ils sont que 8, 3, ils sont un peu, attends, 3, 4, 5, 6, ils sont foutus bizarrement là, les mecs là. Faudrait mettre des couleurs sur les mecs. Les barres bleues et rouges, moi ça me suffit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 2. Est-ce que c'est du brouillard ça? Non. Il m'en manque deux. Hein. Je crois que c'est du brouillard ça, mais on peut pas voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est honnêtement pas super grave. Eric. Il est où notre bourrin de service là? Oui, non. Monsieur Grosse H, Taurus, ouais, il y a Taurus. Allez, on y va. Ouais, elle est pas sur la map, je peux pas la cibler.
Ah! Je t'ai trouvé, voyons. Tu joues à cache-cache. Chiant la bouffe. Putain, y a un obstacle juste là. Oh, vache. De la chance qu'on peut plus bouger. Ouais, on va l'ignorer. Il va attaquer sûrement 8 de toute façon. Voilà. Un peu. Nickel. Voilà. Aveuglément, aveuglement. On devrait peut-être la éviter qu'elle se qu'elle mette du feu. De faire ça à mon cheval. Très bien. Les petites saloperies peuvent s'en occuper maintenant. Enfin, je parlais pas pour elle. En attaque. Je crois que je l'avais mis en... en défense. Pas grave. Après, il y a le l'encerclement, tout ça. Là. Ça arrive plus souvent maintenant. Parce que nous, on commence à avoir beaucoup d'animaux. Du coup, on pourrait le mettre... Les gars, des attaques d'opportunité augmentent 10%.
Mais exactement, c'est quoi les attaques d'opportunité? Se désengage, déclenche une attaque d'opportunité de l'adversaire. Est-ce qu'on peut la faire, nous? Genre, quand on tape, ça fait une attaque d'opportunité ou pas? Parce que moi, je mets ça, mais... en fait... En fait, je crois que ça sert à rien. Pour ma façon de jouer, je parle. Je crois que ça sert à que dalle. Bon, après, encercler, il faut 3 personnes. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Est-ce que ça va pas faire une attaque d'opportunité? Il y a un truc que je pige. L'opportunité, c'est que quand on désengage, en fait. Ou alors, un truc comme ça, quoi. Waouh, manqué. Ah, il a fait le... Il a tracé, il a manqué. Ah, aïe, 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 aïe. Ouais, faut que je change la stratégie. Elle a pas de sens, du coup. Je crois. Que moi je commence à encercler beaucoup plus souvent. Voilà, encercler ça fait quoi? C'est prendre 20%, 20%. Peut-être que ça a montré à 30. Ouais, faut que je change la stratégie. Pas bonne. Nickel. C'est quoi ça? C'est de la merde. Torte qui monte. Ah, ça y est, il a donc... Dégagement par la force. L'unité commence son tour engagé, elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour. Ouais, alors pour lui, oui, ça devient intéressant, mais bon. Alors, toi, on veut... T'es à 70 déjà, en constitution, t'es bon. Donc on va te mettre en force. Bon, ça fait un peu chier de balancer 40 trucs dans la force. Critique, on s'en fout un peu, t'es déjà à 15. On va te mettre de la force. Enfin, je crois. Ouais, tu feras des dégâts un peu plus, un petit peu plus de base. Que ça soit un peu plus stable en fait, les dégâts. Mais ce que je veux dire, je pense que être plus, avoir des dégâts plus stables, c'est mieux que... Parce que lui, il est pas vraiment très spécial, donc... J'ai envie de dire. Alors... Encerclement, 10%, ouais. Je pense que c'est mieux. Bon bah du coup on va s'arrêter là. On a plein de miel, on s'en sert pas quoi.
se reposer. On est en train de faire du cuir, machin. Ok, bon. Ah tiens. Ça. Ouais. C'est facile à faire, le ragoût. Alors, leur science s'est améliorée. Lucy, Nima et Warrington. Alors, troupes reposées, leur atope et rat pestiférés se sont reproduits. Là encore. Ah, tiens, niveau 2. Ah non, c'est l'autre, ça. C'est nouveau. Agile et infectée. Cette unité est infectée par la peste. Elle pourra transmettre au combat via une blessure. Oh. Celle-là, elle est humaniste. C'est marrant parce que du coup, c'est vraiment des mix en fait. C'est vraiment, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont la même gueule, on dirait des ratops quoi. Mais intéressant. Donc ça fait vraiment des mix, je crois. Je crois que c'est... Je crois que c'est voulu. Hein. Je crois que c'est voulu, hein, les mix. Avec les noms bizarres, là. Encore deux de nourriture. Et du coup, j'ai plus de trucs à faire. Merde. Ok, toi, t'es toujours en train d'étudier. Bon, bah c'est très bien. Il va falloir qu'on en vire des rats. On les balance ou je sais pas quoi, mais il va falloir qu'on en fasse quelque chose. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, on va rentrer donc à Stormcap. On va donner l'épice et on va. Ah oui, là il y a un truc de rat qu'on avait vu. Je sais pas trop. Ah oui, un cheval. Oui, c'est pour ça qu'on y retourne surtout. C'est parce qu'on veut un troisième cheval. Parce que là on a 1600. Donc autant en profiter, cheval, pour l'équipe et tout. Et ce sera un troisième, troisième cheval pour transporter. On aura plus de place parce que là, ça devient limite. Yes, ça se passe bien, ça se passe bien. On devient bien fort. Après maintenant, peut-être, ça va faire longtemps qu'on est avec Septel, mais hop, t'as les niveaux 9. Mais je crois que... Ah oh, mais lol... T'es sérieux? Est-ce que je peux... Genre gruger le jeu ou pas? J'imagine qu'ils ont mis un timer. Genre les rats en fait, tous les... je sais pas, genre les 10 minutes ils peuvent trouver des fromages. Ouais non non non. Genre juste toutes les 10 minutes ils peuvent trouver des fromages je pense. Par contre on a trouvé... On en trouve plus que je crois qu'est-ce qu'ils disent. Parce qu'on a plusieurs rats qui peuvent faire ça. Enfin bref. Les fromages, c'est quoi? C'est 4? 2? Ouais, ils trouvent leur poids, en fait. Dans un sens. C'est ils consomment 2. Bon, sauf quand ils sont niveau... Faudrait niveau 3 minimum. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, il faut un cheval, et peut-être que maintenant, on est bon pour faire la mission de Septel. Ça va être honnêtement bordélique. Je vais voir. Je vais voir si ça vaut le coup. On est niveau 6 quasiment tous. Ça va de 4 à 6. On a des bonnes armures et des armes et tout ça. On a des stratégies maintenant. On a pas mal de stratégies. Donc on peut peut-être se faire les gardes. Mais bon, enfin, honnêtement, j'ai vraiment encore envie de la mettre de côté cette mission. Mais bon, on verra la prochaine fois. À la prochaine, ciao, ciao.